다다는 주게 멤버심제디야 아니 베데 코네 콘도 페야라 아니 다 주바심제 랭고레스네 디송바레스로 와 죽덤 랭고레스 지발 지발 예아 Et donc, on reprend, on s'est arrêté ce matin, où Atisha nous disait que pour pouvoir intensifier son esprit d'éveil aspiration, il importait de prendre les vœux de Bodhisattva, d'autres termes, savoir l'esprit d'éveil, développer l'esprit d'éveil engagement. Ça se souvient que la différence entre les deux, c'est le désir de se rendre quelque part et le fait de s'y acheminer, en fait. Et donc, ce n'est pas le tout de rester dans la maison et regarder dans la direction en se disant que ça doit être bien par là-bas. Il faut commencer à y aller et s'acheminer, commencer à faire les pas, en fait, pour s'en approcher. Essentiellement, prendre ses vœux, en fait, donc qui correspond à l'engagement, enfin l'esprit d'éveil d'engagement, consiste à s'adonner donc à la pratique des six perfections. Alors, la première chose qui vient lorsque sont évoqués donc ces vœux de Bodhisattva, ce à quoi répond donc immédiatement Atisha, c'est le support en dépendance duquel ces vœux de Bodhisattva peuvent être pris. Donc, ce que nous dit Atisha ici, ce qu'il évoque, c'est la situation en quelque sorte idéale, donc le support idéal pour prendre les vœux de Bodhisattva, puisqu'il fait référence aux vœux donc, des sept classes de Pratimoksha, les vœux de libération individuelle. Il nous dit qui maintient continuellement en lui les autres vœux des sept classes de Pratimoksha a toute qualité pour prendre les vœux de Bodhisattva. Quelles sont ces classes, en fait, ces sept classes de Pratimoksha, en quoi est-ce qu'elles consistent, ces sept classes de vœux de libération individuelle? Il s'agit des vœux de laïc, donc d'upasaka, des upasaka hommes et femmes, donc ça fait deux classes, les vœux de novice, de shramanera, donc hommes et femmes, ça fait quatre classes de plus. Des vœux propres aux religieuses, en fait, juste avant qu'elles prennent la pleine ordination, on parle de religieuses en période de probation, en fait, ça fait une cinquième classe. Et enfin, les vœux de pleine ordination, donc que ce soit hommes et femmes, donc de bhikkhu et de bhikkhu et de bhikkhuni. Donc,
C'est donc, comme on l'a dit, ce que pose ici Atisha, c'est la situation idéale, c'est-à-dire le support idéal pour recevoir de tels vœux de Bodhisattva. Le préalable, en fait, lui par contre indispensable, c'est d'avoir pris des vœux de refuge, d'avoir pris des vœux de refuge et de s'entraîner à ne pas commettre l'une ou l'autre des 10 actions non vertueuses. Dans ces catégories de vœux, donc les vœux qui contiennent en fait les vœux d'abstinence sexuelle étant considérés donc comme un support particulièrement propice ou suprême. Alors, c'est une évidence donc, pour ce qui est des vœux d'ordination, donc soit de novice ou de pleine ordination. Néanmoins, cette possibilité donc, d'abstinence complète est quelque chose qui est possible dès le stade de laïque, donc dès les vœux d'Upasaka, étant donné qu'il existe deux niveaux quant à ce vœu en relation avec la sexualité. Donc, c'est une fois que l'on se connaît maintenant le support, en dépendance donc desquels prendre ses vœux, ensuite il faut se tourner donc vers un maître doté des qualités, de la compétence, en d'autres termes, des caractéristiques nécessaires pour pouvoir recevoir donc de tels vœux. Alors dans le cas particulier des vœux de Bodhisattva, il est dit que ces vœux de Bodhisattva, donc idéalement, sont pris auprès d'un maître qui possède donc les compétences, les différentes compétences nécessaires. Néanmoins, si alors que l'on a cherché activement en fait un maître, on n'en trouve absolument pas, il est possible donc dans ce cas particulier de prendre ces vœux donc en relation avec un support particulier qu'on aura élaboré. Alors, Atisha nous dit que ce rituel, justement, donc, qui permet de conférer ses vœux de Bodhisattva, est décrit en détail, donc par Asanga, dans ce texte qui s'intitule Les terres des Bodhisattvas, en particulier dans le chapitre 2 de celui de l'éthique. Et il nous dit, donc, par ce rituel décrit dans le chapitre de l'éthique des terres des Bodhisattvas, prenez les vœux de Bodhisattva auprès d'un bon maître qui possède les caractéristiques requises. Et qu'est-ce qui fait d'un maître un bon maître, donc un maître en l'occurrence adapté, enfin ou approprié pour cela? Il nous l'indique ensuite, il nous dit c'est celui qui est versé dans les rituels d'ordination, qui cultive lui-même les observances, c'est-à-dire qui préserve ses vœux, et qui a la patience et la compassion donc de conférer de tels vœux. Sachez qu'un tel être est un bon maître. Donc
Donc le rituel peut varier d'un maître à l'autre. Ce rituel peut provenir par exemple du Bodhisattva Charyavatara dans lequel Shantideva donc dans une section exprime donc des ces points du rituel en quelque sorte ou des on peut suivre tout à fait donc certaines de ces strophes. Dans d'autres cas de figure, on peut suivre tel que l'indique ici Atisha, c'est une section donc ce chapitre de l'éthique des terres des Bodhisattvas, on peut s'appuyer encore sur d'autres textes. Cela va dépendre finalement du maître duquel on reçoit les vœux. L'accent est bien évidemment mis sur le fait que ce maître soit, il dit un bon maître, c'est-à-dire les compétences en fait nécessaires. Il ne s'agit pas de se tourner vers tout un chacun, vers n'importe qui. Il faut être attentif avec, à cela. Et par exemple, si l'on reprend la vie d'Atisha lui-même, on sait qu'il a, il n'a pas lésiné sur les efforts, justement, pour partir à la recherche de ces différents maîtres, traversant dans certains cas certaines forêts, gravissant des montagnes pour aller retrouver certains maîtres donc, qui étaient dans des ermitages, dans des grottes, ici ou là. Donc, je vous invite à aller crapahuter les montagnes pour aller à la recherche de votre maître. Ceci dit, je ne sais pas s'il y a des maîtres dans les montagnes en France, mais ça, c'est autre chose. Parmi les différentes qualités requises en fait par ce maître, il faut qu'il ait une bonne connaissance, une bonne compréhension du rituel lui-même, du rituel qui permet de conférer en fait ses vœux. En d'autres termes, il faut qu'il sache comment procéder et qu'il comprenne en fait le sens de ce rituel. Le deuxième aspect, c'est que certes, il faut donc qu'il soit compétent pour conférer ses vœux, mais faut-il encore que son éthique elle-même donc n'ait pas dégénéré. Il ne faut pas qu'il ait laisser dégrader en fait ses propres vœux, ses propres engagements. Par ailleurs, lorsque sont conférés en fait ces vœux, donc les contextes vont pouvoir varier et il se peut qu'il y ait certaines difficultés en durée ici et là pour ce faire. Aussi faut-il qu'il puisse faire montre de patience, donc c'est un point également important, ainsi que la bienveillance et la compassion qu'il doit ressentir pour les êtres auxquels il s'apprête à conférer ses vœux. Il est une autre façon en fait de qualifier finalement ces différentes compétences en disant d'un tel maître qu'il doit posséder une éthique exemplaire au sens excellente, des qualités tout aussi exemplaires, une pensée qui ne l'est pas moins donc exemplaire et également qu'il doit agir de manière exemplaire. Donc cela résume en fait, cela, on retrouve en fait les différents points précités. Ta yende pyeon chobwa se ya dela ani gare selamna ndi kasure o chogala khyaba jida
Andi yonde choga di bob jola ni soba sebe yonde na demba onde de jugo des wa deni samba pesum soba se de lata ningje chimbo da ni ningje de demba da ni kasure ma ni ningje de demba de la yo pesum soba da andi ni jugo des samba pesum soba ni de jugo des kharasana ni samba di kunen ningje kunen la ni samba pesum soba le yongo des Ninji di gunelanen jowa di pesun soba le yongore es ndi son yongore es wa le retrouve ces différents points ce sens que l'éthique donc excellente donc exemplaire revient en fait au fait que ils doivent lui-même cultiver les observances c'est-à-dire préserver ses vœux ses précédents engagements les qualités exemplaires viennent de à la fois ses compétences donc dans la dans le processus même du rituel la manière de conférer les vœux et qualité de patience dont il doit faire preuve lorsque surgissent donc des difficultés ou des obstacles donc dans la transmission d'un tel rituel. Ensuite, la pensée et l'action, en quelque sorte exemplaire, tous deux procèdent de la compassion, la bienveillance et la compassion dont il est animé donc pour conférer ses vœux. On dirait ça d'une dizaine de lama d'une dizaine de ceux qui bêba d'une dizaine. Manie va y na, d'une lama manie ne y a ni ta dingue tu ne suis ailleurs et ici. Donc après s'être efforcé de chercher un maître, si notre recherche est finalement vaine, à ce moment-là, il est possible donc de prendre les vœux de par soi-même, donc en quelque sorte, donc en simplement en mettant en place en fait un support, une représentation des Bouddhas. Atishan nous dit ici vraiment cette recherche doit cette recherche d'un maître pardon doit nous avoir enfin on doit l'avoir cherché activement en fait un tel maître c'est pas juste bon il y a personne autour et on décide de faire ça par soi-même en fait c'est réellement il nous dit avec zèle enquérez-vous d'un tel maître donc partez à la recherche fournissez des efforts dans cette direction si une fois que cela est fait vous ne trouvez personne mais si vous n'en trouvez aucun donc je vais vous exposer un autre excellent rituel pour prendre les vœux par soi-même uniquement en fait dans ce cas-là parce qu'effectivement les sutras indiquent qu'il est infiniment plus bénéfique de prendre ses vœux auprès d'un maître que de les prendre de par soi-même ça pourrait dire un ultime recours en fait que de le faire tout seul sinon ne avaranda churusalade amar avaranda sinta ja kargo o jabun nanga shejawa jubare is jabun nanga shejawa jubare dite an jidara chanju tukje danda wadi khandis jabare lana ane sanji ane jen rangje di dunla ane ta chenlap shuyna ane ta o ta chanju sin jabare is choga shuyna jabare is ndi sungware is an dindave choga di ane ta choga ta kongi lama meba tamla Ani itu ni sen coba coba ni mado, coba di lama yebe coba dah mebe coba ni jadi coba ni, jurang coba, lama yeba dah meba ni lah, lama yang na lebih yang konsus lah ajar wah, lama mana ani, dah, cuci jawab sedo jawab sini ada, ani duit ni, am kerja seta biar ni dia lah, konsus lah ajar wah. Et donc ce que décrit ensuite Atisha, donc il dit lui-même et ce qu'il a retrouvé dans ce sutra de l'ornement de la terre de Manjushri, qui décrit en fait un passage de Manjushri, donc lors d'un épisode, enfin d'une existence antérieure, lorsque celui-ci était le roi d'Amba. Amba en fait correspond est un terme que l'on utilise pour parler de l'espace, donc le roi de l'espace en fait. Et à cette période-là, donc il ne trouvant pas de maître, il a en fait invoqué tous les Bouddhas, les Bodhisattvas, donc à se manifester en face de lui dans l'espace et c'est d'eux en fait qu'il a pris, qu'il a reçu donc ses voeux de Bodhisattva.
Donc finalement, donc ce qui va ensuite indiquer est la tournure en quelque sorte que pourrait prendre ce rituel. Néanmoins, simplement la première partie va changer. C'est-à-dire que dans ce cas-là, il dira au Bouddha et Bodhisattva qui est en face de moi, veuillez me tourner vers moi votre attention. Dans le cas où on est physiquement en face de maître, on dit au vénérable, au maître, veuillez tourner vers moi votre attention. Ensuite, le contenu est strictement le même. Le principe du rituel suit de manière assez proche ce que l'on a déjà évoqué en fait ce matin. En effet, lorsque l'on a invoqué donc en face de nous donc ces Bouddhas, ces Bodhisattvas, autour d'ailleurs du maître physiquement présent, on va adresser donc la prière en sept branches, la pratique pardon en sept branches, ce que Atisha appelait les sept offrandes. On va ensuite adresser un mandala donc pour faire un mandala de requête pour recevoir ses vœux. On va faire ensuite la requête donc au maître physiquement présent ou à cette assemblée de Bouddhas et de Bodhisattvas. Que l'on a visualisé, faire la requête de bien vouloir, donc nous conférer ses vœux de Bodhisattva, à la suite de quoi, donc à trois reprises, donc on répète après le maître s'il est présent ou simplement on répète soi-même à trois reprises dans tous les cas, le refuge, donc les vœux de refuge, et ensuite les vœux de Bodhisattva. Ces vœux donc prennent naissance en notre esprit à la fin de la troisième répétition, et ensuite on récite cette section qui dit qu'à l'instar donc des Bouddhas et des Bodhisattvas qui par le passé se sont engagés dans la pratique de la perfection de la générosité, de la perfection de l'éthique, de la patience, etc. Moi-même à partir de cet instant je m'y engage également. Donc c'est le contenu en fait du rituel. Cet engagement est assorti également la promesse, comme on l'avait vu dans le contexte de la seule prise de l'esprit d'éveil sous forme d'aspiration, de la promesse donc de ne pas se départir, donc, non plus simplement ici de cet état d'esprit, mais de ne se départir de cet engagement, c'est-à-dire que de cet instant jusqu'au terme de notre vie, jusqu'à ce que l'on parvienne à la bouddhéité, dans ce cas, on s'engage en fait à s'exercer à la pratique ou à appliquer en fait la pratique de la générosité, de l'éthique, etc. Donc on parlera ici encore de esprit d'éveil et engagement sous forme irréversible, dans sa dimension, son aspect irréversible. Donc cette production à proprement parler de l'esprit d'éveil engagement, maintenant dans son aspect d'engagement, on la retrouve en essence à la strophe 26. On dit ainsi, devant tous les protecteurs, je produis, c'est-à-dire j'engendre, hein, je génère l'aspiration à l'éveil parfait. Donc je prends en charge, c'est une tournure avec laquelle je suis un petit peu moins à l'aise, c'est pour ça que je regardais. Je prends en charge tous les êtres et les libérerai tous du samsara, donc du cycle de leur existence. Yeah. Il y en a des
Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas En fait, oui, parce que je prends en charge bon, tous les êtres. Le terme en tibétain évoque en fait qu'on regarde les êtres comme ses invités, comme ses hôtes en quelque sorte. Et donc, quelque part, on se met à la disposition des êtres. C'est ce que ça veut dire en fait, davantage. C'est pour ça que je suis moins à l'aise avec l'autre tournure. Voilà. Et en fait, parce que cette tournure est, enfin, je dirais assez belle, ça c'est subjectif, mais parce que c'est vraiment, je considère en fait tous les êtres comme mes hôtes, comme mes invités. Et si on se place dans cette disposition d'esprit-là, si on regarde ainsi tous les êtres, manifestement, on ne les voit pas sous un œil hostile. On n'invite pas des gens chez soi pour leur être hostile, en fait, ou parce qu'ils nous sont, parce qu'on éprouve de l'aversion pour eux, en fait. Donc naturellement, c'est soyez mes hôtes, soyez mes invités, et sous-entendu, je vais faire tout ce que je peux pour que vous vous sentiez bien, soyez à l'aise, soyez heureux, en fait. C'est vraiment cette tournure ici, cette disposition d'esprit. Donc là, qu'on soit clair, on ne les invite pas quand même simplement à faire un festin ou à manger. C'est ce que je veux dire. Je veux dire, 아니 고알레 저 답시 땅이라고다. 어다 네 답시 지기인 심지 단지라 라지잖아. 가르치고 나다. 답시 지기인 근데 심지 단지 냠도 내네. 다 로바 지기인 쓰려고 그래. 그래서 Alors c'est du coup ce n'est pas simplement 지기대 다 엄마 지기도 하는데. 어? 대다 고알레 줄로 사지. 어? Si donc c'est pas simplement pour un festin qu'on les invite, alors c'est pourquoi ou pourquoi est-ce qu'on les considère comme nos invités? C'est pour pouvoir les aider à obtenir finalement ce à quoi ils aspirent, c'est-à-dire pour pouvoir les aider à s'extraire de la souffrance, à interrompre, à faire cesser la souffrance qu'ils endurent, pour pouvoir les aider à s'affranchir en fait du cycle de leur existence. Et en fait, c'est ce que dit d'ailleurs la fin ici de la strophe en disant, donc ayant considéré ainsi tous les êtres donc comme mes invités, je les libérerai, enfin on contribuerai, mais je les libérerai tous du cycle des existences, de leurs existences. C'est pour ça que cette expression est importante de considérer tous les êtres comme ses invités, donc de les avoir vraiment comme ses hôtes, de sorte que ensuite, quelles que soient les pratiques finalement auxquelles on s'adonne, on ne les perd pas de vue en quelque sorte. Tous ces êtres, ils sont toujours nos invités, ils sont toujours nos hôtes, et on se met complètement à leur disposition pour leur permettre donc de s'extraire de leur souffrance, de s'extraire du cycle de leurs existences. Et c'est ainsi donc avec eux, par exemple, que lorsque l'on prend refuge, on les visualise, on les ressent à nos côtés, donc assis à nos côtés, donc tout autour de nous. Donc, et c'est ensemble que l'on prend refuge. De la même façon, lorsque l'on fait des prosternations, lorsque l'on fait n'importe quelle autre pratique, lorsque l'on va faire par exemple cette prise de refuge ou les prosternations, on visualise que les flots de lumière, par exemple de nectar qui s'écoule, des déités, viennent nous emplir, mais viennent les emplir tout autant, donc pour purifier donc, leur négativité, guérir leur qualité, etc. À notre niveau,
un autre niveau, en fait, ce processus, il faut être réaliste, se passe simplement en termes de visualisation. Tous ces êtres, nous pouvons les imaginer autour de nous pouvons nous imaginer à leur service, nous pouvons ainsi visualiser ces flots de nectar nous emplir, les emplir également, etc., pour leur venir en aide, etc. Et lorsque nous serons devenus un bodhisattva, alors viendra le moment de faire cela directement, c'est-à-dire de leur venir en aide, d'agir en fait en leur faveur directement, concrètement, chose que nous ne pouvons faire de suite, faute d'être sinon très rapidement découragé, de nous laisser débouter complètement en fait. Parce que là, auquel cas, si on commençait à s'activer concrètement vis-à-vis de tous les êtres, plutôt que d'engendrer finalement bodhicitta, ce serait la meilleure façon de piquer une sacrée colère finalement. Parce que pour une simple et bonne raison, c'est que c'est assez difficile de satisfaire le désir de tous les êtres. C'est pas chose aisée du tout. Et lorsque, par exemple, on agit en faveur d'une personne, si non seulement elle ne remercie pas, mais en plus elle trouve à redire et elle nous en veut ou elle se montre désagréable à notre égard suite à cela, comment est-ce que nous réagissons finalement à ça? C'est extrêmement difficile de pas s'emporter, de pas être irrité, affecté, etc. Regardez par exemple lorsque vous donnez quelque chose à quelqu'un qui fait l'aumône, comme en Inde ou n'importe où, vous avez des cas de figure où lorsque vous donnez quelques pièces ou quelques billets à un mendiant, ils vous disent: vous n'avez pas des vêtements aussi à me donner? Vous n'avez pas autre chose à me donner? Ou lorsqu'ils vous donnent quelques, je sais pas, 10 roupies, ils vous disent: mais vous n'en avez pas 20 ou 30 à me donner? Et en d'autres termes, c'est jamais suffisant. Et donc, combien on peut être complètement débouté, enfin, ou très rapidement débouté par ce que l'on peut recevoir en échange. Lorsque, par exemple, en Inde, il m'arrive d'avoir une certaine somme que je partage en pièces, en quelque sorte, comme l'équivalent d'une ou deux roupies, par exemple, et que je donne à chacun donc des mendiants que je trouve. Et ça m'est arrivé donc plusieurs fois, effectivement, de me faire, enfin, de voir un air rebiffé en face ou quelqu'un ou certains qui m'envoyaient balader, pour le dire clairement, en fait, on dirait va-t'en, oui, simplement de donner ça. Donc, ils trouvaient plus qu'à redire. Et c'est vrai que quelquefois, c'est un petit peu déconcertant, un petit peu désarmant.
Mais c'est vrai que s'il s'agit d'un bodhisattva, donc c'est un être qui non seulement ne va pas être désarmé, mais qui sera même donné en fait davantage ou au fur et à mesure en fait, sans que cela ne l'affecte ou ne lui pose de difficultés. En effet, dans le cas d'un bodhisattva, il se peut très bien qu'il y ait des manifestations, donc dans ces êtres, par exemple, des manifestations d'êtres qui sont là en quelque sorte pour interférer au développement donc de ce bodhisattva et qui sont là en quelque sorte pour le défier en fait et qui peuvent du coup lui demander des choses beaucoup plus pour dire pour nous compromettantes comme lui donner par exemple une partie de son corps par exemple et il est dit qu'un bodhisattva donc qui a réellement engendré l'esprit d'éveil est parvenu à un certain stade, un tel être peut effectivement en arriver à se défaire donc de ces différentes parties du corps s'il estime que la situation le requiert sans que cela ne non seulement sans que cela ne l'affecte mais en éprouvant également une profonde joie donc à l'idée de pouvoir faire cela. Mais là on est dans ce cas particulier donc d'être déjà très avancé. Les maîtres du passé nous ont mis en garde en nous disant que tant que nous ne sommes pas familiarisés finalement avec ces différents états d'esprit, c'était le moment en fait de nous retirer, de nous isoler pour les méditer.
Or, ce n'est pas nécessairement ce qui est, enfin, ce n'est pas quelque chose de facile pour tout le monde. Il ne s'agit peut-être pas pour chacun de se retirer, mais au moins dans le contexte donc de notre existence, nous pouvons très bien quand nous rentrons chez nous, donc dans notre maison, prendre du temps justement pour, à la mesure de nos moyens, réfléchir, méditer donc ces différents points. Et pour arriver en fait à quoi, fondamentalement, pour arriver à garder, on dit littéralement, notre esprit. Garder notre esprit, qu'est-ce que c'est? C'est le garant finalement de pouvoir garder l'éthique, de pouvoir préserver en fait l'éthique. Si on ne garde pas notre esprit, c'est-à-dire si on ne le garde pas sous contrôle, sous-entendu, si on ne garde pas toujours un œil sur notre esprit, alors notre éthique sera des plus hasardeuses. Par exemple, dans les 8 versets de la transformation de l'esprit, l'Henri Tampa nous dit « En compagnie d'autres personnes, j'observerai mon esprit. Dès que s'élèvera en moi une émotion perturbatrice, néfaste à moi-même et à autrui, je l'affronterai et je la combattrai avec force. » Effectivement, lorsque l'on se trouve en compagnie, en société, par exemple, que l'on interagit les uns avec les autres, ces différentes situations peuvent favoriser l'émergence de l'une ou l'autre de nos perturbations. Faut-il encore apprendre donc à la reconnaître lorsqu'elle se manifeste et immédiatement chercher à nous y opposer pour surtout ne pas agir sous son emprise. Néanmoins, il se peut que quelquefois on n'y soit pas parvenu, il se peut que quelquefois in situ, dans le feu de l'action, il ne soit pas possible, donc il ne nous soit pas possible encore d'empêcher la manifestation de la perturbation et surtout d'agir sous son emprise, auquel cas il importe d'examiner cela a posteriori lorsque l'on revient, lorsque l'on rentre justement chez soi, de le réexaminer, de regretter effectivement, de désapprouver par exemple ce que l'on a pu dire, pensant que effectivement tel et tel mot nous ont échappé, que l'on a nourri telle et telle pensée et que c'est complètement inapproprié, pensant chercher à éliminer, à purifier en fait ce qui a été ainsi accumulé et aspirant à ce que demain, ou en tout cas nous déterminant à ce que demain nous soyons plus attentifs, plus vigilants donc à notre esprit et ensuite à notre manière donc de nous comporter. Si l'on fait cela en alimentant donc à travers chacune de nos actions donc élémentaires, qu'il s'agisse de boire, de manger, comme on l'a dit, de prendre du repos, etc. Si on alimente ces pensées, on le disait, dans le but, donc par exemple, comme on disait, d'être bénéfique aux autres, donc de avec cette dimension altruiste, que ces actions donc soient animées par cette dimension altruiste, alors jour après jour, et que l'on procède ainsi donc à une telle introspection. Alors jour après jour, notre esprit, très progressivement, mais inéluctablement, en vient ainsi à se transformer, à être imprégné en fait de ses pensées, de sorte qu'au moment de notre mort, on se souvient plus volontiers donc de cet altruisme. Notre esprit est ainsi beaucoup plus ouvert et mourir avec l'esprit empreint de bodhicitta ou des pensées donc qui relèvent de l'esprit d'éveil est le meilleur transfert de conscience qui puisse exister. On parle toujours de ce fameux power entre guillemets. C'est-à-dire ce fameux transfert de conscience qui est habituellement demandé, que l'on demande de faire à un maître spirituel, mais le meilleur power qui existe, le meilleur transfert de conscience qui existe, c'est celui effectué par un esprit empreint donc de bodhicitta, de l'esprit d'éveil. Parce qu'effectivement, dès la prochaine existence, cet esprit d'éveil va tendre à se réactiver, donc sera présent et va se réanimer, en quelque sorte, se réactiver. C'est ainsi qu'on peut prendre pour soi, finalement, les instructions que le Bouddha avait données donc à ce roi qui donc ne pouvait abandonner son royaume, donc comme on en a parlé hier. On intéresse à dindé indigane da dindé domba de lang sa sona da domba de ani a kelen kariona de sungo go re sura sungo de gane ani ta a domba de la ta kariyo re salam na ta roa ta dong da buji chena ta dong job jes Donc dans le contexte donc, du rituel, donc on en est au stade où ont été pris donc ces vœux de, enfin oui, c'est ces vœux de Bodhisattva, ce qu'on appelle les vœux de Bodhisattva.
donc ont été engendrés, en d'autres termes, cet esprit d'éveil et engagement, découlent des préceptes ensuite, donc d'un tel engagement, des préceptes qui sont signifiés sous la forme donc de la transgression de ceci. On va parler de 18 transgressions principales ou majeures et 46 fautes ou transgressions si on veut, mais fautes secondaires. Alors en France, on va évoquer les 18. Même on va évoquer les 18 transgressions principales. Donc la première consiste à ne pas se louer soi-même et mépriser autrui. Si l'on envisage la première de ces transgressions, donc ne pas se louer soi-même et ni dénigrer autrui, en fait, ce serait dans ce cas par exemple particulier pour obtenir soi-même une bonne réputation, pour obtenir des faveurs particulières, des services, des offrandes ou autres, en fait, en rajouter quant à ses qualités, donc se louer, faire l'éloge de ses qualités, de ses réussites, enfin tout ce qu'on peut imaginer, et ce faisant en même temps de mépriser ou dénigrer autrui, donc pour se mettre encore davantage en valeur. Mais pour que, il y ait une transgression principale, donc ça va être le cas pour les 18 transgressions, pour que la transgression soit complète, il faut que soit présent ce qu'on appelle classiquement 4 liens étroits, qui consistent en le fait de ne pas examiner les défauts, les travers de ce que l'on vient de faire, par exemple, et ça c'est l'aspect le plus important. Qui consiste à ne pas vouloir modifier son comportement, c'est-à-dire finalement le désapprouver et en changer, qui consiste à se réjouir même de ce que l'on a fait, être plutôt satisfait, content de soi, d'avoir agi ainsi. Et le quatrième consiste à n'éprouver ni honte ni scrupule. La honte étant le sentiment qui s'élève vis-à-vis de nous-mêmes lorsque l'on se sent mal agir, en se disant c'est pas digne de moi cette attitude ou ces paroles, par exemple. Et le scrupule, c'est je peux pas faire ça parce que les autres vont penser du mal de moi. Donc c'est la différence en fait entre les deux. Ici, le juge sera différent. Dans le cas de la honte, le juge c'est soi-même. Dans le cas du scrupule, le juge c'est les autres. Je ne sais pas si c'est clair. Voilà. Et donc c'est ce qu'on appelle les quatre liens étroits, qui, si les quatre aspects sont présents, donc lorsque l'on a accompli par exemple telle ou telle action, s'ils sont présents, alors la transgression sera complète. Mmh.
Il faut être attentif donc à chacune de ces transgressions, notamment cette première, parce que c'est une transgression qui présente un certain danger pour nous. Il se peut que facilement on se laisse porter à nous mettre en avant, en tout cas, ou nous mettre un peu sous la lumière, on pourrait dire. Donc cela dépend des autres, ou en dénigrant un petit peu les autres, histoire de pouvoir obtenir telle et telle, enfin dans notre intérêt, enfin de pouvoir obtenir telle et telle chose. Si tenter donc en plus ces quatre facteurs soient présents, la transgression auquel cas donc serait complète. Mal mais c'est simplement dans ce domaine de Dieu le tâche c'est quoi le bout du monde. Car vous avez entendu Dieu dit chimboyores. Non. Sur tout le Dieu dit mais samedi dernier n'avons tâche. Rangé n'avons tâche cela dit c'est quoi. Rang n'avons tâche alors. N'avons de rang moyen rang y a quoi une samedi alors. Samedi dit gagne Dieu est tombé alors. Dieu est mort dit gagne ceci c'est quoi Dieu est mort mais c'est quoi Dieu est tombé. S'il vous plaît, n'arrivez pas à une conclusion trop hâtive par rapport à cette première transgression. C'est-à-dire, ne pensez pas trop hâtivement que ça ne vous concerne pas vraiment. Vous n'êtes pas vraiment dans ce cas de figure. Peut-être reprenez-la tranquillement quand vous êtes chez vous et repensez-y d'une façon plus large, peut-être, plus ouverte. Et regardez si effectivement c'est quelque chose qui n'arrive jamais. Parce qu'il est vrai qu'on a une tendance quand même à développer une certaine vue pure, vision pure vis-à-vis de soi-même, et qu'on ne trouve pas grand-chose à redire. Par contre, on a beaucoup à redire sur les voisins, sur les autres. On trouve toujours qu'ils ont quelque chose qui ne va pas, mais ce quelque chose, ça ne nous concerne absolument jamais. Et il se peut que si on élimine trop rapidement ce sujet, on se dit non, ça ne me concerne absolument pas, je ne suis pas dans ce cas de figure, mais que quand même on ramène ça à la maison et qu'on y réfléchisse, on se rende compte que finalement, rares sont les fois où on ne le fait pas. On peut très bien, ça peut très bien nous arriver. Et c'est un risque. On peut se souvenir de des passages de la vie de Geshe Bankongyel, qui était connu, notamment ce Geshe Gadampa, qui était connu pour justement son examen en fait quotidien de conscience. Il avait, est-il dit, l'habitude d'avoir des petits tas de cailloux blancs et noirs, et qui lui permettaient de passer en revue en fait les actes de la journée, ses pensées, ses paroles, etc. Et lorsqu'il y a donc une pensée blanche, enfin bien sûr, était un caillou blanc et une pensée ou une action noire. Était un caillou noir, et lorsqu'il faisait le décompte en fait de ces cailloux le soir, si les cailloux noirs étaient plus importants, il se réprimandait vivement à haute voix en disant tout ce qu'on peut imaginer, en s'insultant par tous les noms possibles. Et lorsqu'au contraire le tas de cailloux blancs était plus important, au contraire il se félicitait toujours à haute voix en disant c'est bien, continue, et demain fais encore mieux même. Et c'est vrai que si on avait été à proche distance de lui, on se serait dit mais bon, il a un peu perdu ses esprits peut-être, enfin c'est un peu limite. Mais qu'est-ce que cela montre? Cela montre avant tout que cette réflexion participe d'un examen, et c'est ce que je vous demandais tout à l'heure, ne
concluez pas trop hâtivement quelque chose, examinez-le, regardez-le, passez-le au crible, en fait, finalement, passez votre esprit au crible de ce que vous entendez. Cet examen est indispensable parce que c'est lui qui permet de se rendre compte de choses dont on n'a pas conscience. C'est l'examen, c'est le principe même du miroir. Pour regarder si notre visage est maculé de taches ou, par exemple, ou sale, on a besoin d'un miroir pour le voir. L'examen fonctionne, agit comme un miroir. Donc, contemplez-vous devant le miroir. Contemplez-vous longuement devant le miroir. Donc, regardez s'il y a des imperfections ou des taches ici ou là. Ça, je peux pas vous le traduire en fait, ce que je disais aussi. C'est difficile, vous avez compris. Donc, de se regarder, acheter un miroir à facettes si vous voulez. Non, on dit pas facettes, non, de poche, pardon. C'est... Un miroir de poche. Ah, c'est encore pire. Miroir de poche. Un miroir de poche. Miroir de poche. Un miroir de poche et tac. La deuxième transgression principale consiste à ne pas donner le dharma ou des biens, en fait. Donc, tenter bien sûr qu'on ait, c'est une certaine connaissance, compréhension du dharma, et simplement par ou par sentiment de supériorité, ou par fainéantise, ou par différents types de pensées de la sorte, on ne veuille pas en fait partager notre compréhension du dharma, des conseils, des suggestions, etc. lorsque cela est demandé. Ou encore ne pas donner donc de l'aide matérielle, ne pas apporter de l'aide matérielle lorsqu'on est en mesure de le faire, par avarice, là encore, ou par fainéantise ou autre, ça peut être n'importe quoi. Néanmoins, dans ce deuxième cas de figure, on peut se trouver donc devant la situation, par exemple, de personnes qui mendient, par exemple dans la rue, et on peut aussi vouloir ne pas donner parce que, non pas ici par avarice, mais parce que on a un doute sur l'utilisation, en fait, ensuite de cet argent. Et on peut très bien alors soit décider de ne pas donner si on pense que cette personne peut faire un mauvais usage, en quelque sorte, ou un usage dangereux pour elle, de cet argent, ou par exemple si on imagine qu'elle demande de l'argent pour manger, comme souvent ça peut être inscrit ou autre, on peut effectivement aller lui acheter quelque chose à manger ou l'amener sur un point de vente de nourriture, et auquel cas quelquefois on est fixé, elle nous dit mais moi c'est pas pour manger que je veux de l'argent, et là on est fixé également, et on peut auquel cas s'abstenir. Mais s'abstenir, donc comme on disait, par avarice, par fainéantise, etc., alors qu'on dispose de ces biens matériels, ça consisterait donc à ce type de transgression ici. Mmh.
ne kono lang shwa de la da gong da da ngi be de no ji che so chara ngi yu den da me da chi de la so chi 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 che so ni da ni ba de so sha ba che ba yi na su se ma ni na sha ja mi ni be so dong da de zu la gun ji shi cha dan tang go de so wa da de re 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 la du na cho mi do wa. La troisième transgression, alors bien entendu, pour que chacune d'entre elles soit complète, il faut, comme on l'a dit, que soient présents ces quatre liens étroits que l'on a évoqués tout à l'heure. Sinon, il y aurait transgression, plus ou moins lourde, selon que soit présent un, deux ou trois dans des liens, mais pas complète tant que les quatre ne sont pas présents. La troisième des transgressions consiste à ne pas pardonner à celui qui expose sincèrement ses regrets. Il se peut que quelqu'un donc se soit mal comporté à notre égard, ait été extrêmement désagréable pour différentes raisons, et que après ils prennent conscience de cela et viennent très sincèrement présenter ses excuses, ne pas les accepter, donc reviendra à commettre cette transgression ici. Donc cette transgression en particulier, comme l'aspect précédent qui consistait à ne pas donner, donc apporter de l'aide matérielle lorsqu'on en a la possibilité à une personne qui la demande, c'est ce sont des transgressions auxquelles il faut être particulièrement attentif parce que ce sont des choses que l'on peut commettre assez facilement si on n'y prend pas garde. La quatrième transgression consiste, on dit littéralement, à abandonner le Mahayana. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire à considérer, par exemple, que les sutras du Mahayana ne sont pas des discours donc, du Bouddha Shakyamuni, mais par exemple de commentateurs ultérieurs. Kunjo Kotros. Kunjo Kotros, la vraie. Kunjo Kotros, la vraie. Sanji Kunjo, Chio Kunjo, Gindi Kunjo. La vraie. La vraie. La vraie. La cinquième transgression consiste à ravir ou dérober, en d'autres termes, les offrandes précédemment adressées aux trois joyaux, donc que ce soit au joyau du Bouddha, au joyau du Dharma ou à celui du Sangha. Par exemple, c'est un usage détourné, en d'autres termes, d'argent qui a été destiné en fait aux trois joyaux. Ça, c'est quelque chose auquel il faut être attentif. C'est-à-dire que dans un premier temps, il peut y avoir eu une collecte, par exemple, d'argent en vue donc de la commande d'une statue, par exemple, de la fabrication d'une statue. Et puis finalement, au lieu d'utiliser cet argent à cette fin-là, on en utilise une partie pour aller faire un bon repas. Ça, c'est par excellence le type de transgression ici. Ou encore, ça pourrait être aussi, c'est le même cas de figure, on peut voir de l'argent en fait offert directement au statut. Donc dans les statuts, on peut voir ou dans les mains ou dans les parties du statut pas mal d'argent déposé, donc des offrandes immédiates. Et là aussi, prendre cet argent en fait pour en disposer soi-même, ça ce serait ce même cas de figure. Ta chopons, chopons, ça donc cela reste. Chopons, ça donc c'est à dire, ani kalagore. Des nœuds sont beaux. De ani sanji ka mare se ada tejin temen ji de ne sanji ka mare se ada de desna la suna nche bon ni mi. La sixième transgression consiste à abandonner le dharma. Tout à l'heure, c'était abandonner le Mahayana, on avait vu. Là, c'est le dharma d'une façon large, c'est-à-dire c'est opérer en fait des distinctions
au sein d'Hidharma, considérant par exemple que le Hinayana est supérieur au Mahayana, ou que le Hinayana constitue des paroles du Bouddha alors que le Mahayana n'en est pas, ou que le Tantra, par exemple, n'est pas un aspect, en tout cas, des enseignements du Bouddha, ou qu'il est inférieur ou supérieur à celui des sutras, etc. Toutes ces distinctions que l'on pourrait opérer. La septième transgression donc consiste en le fait de le fait de maltraiter un religieux, une personne ordonnée. Ça veut dire prendre par exemple des objets qui lui appartiennent. Donc c'est pour ça que chez l'en plaisantant disait ne me piquez pas mes robes, ne piquez pas mon tchogue. ça vous rendrait pas beaucoup de service et moi j'en ai besoin. Peut-être les bonbons, ça, à la limite, ça pourrait vous rendre service. Mais ça peut être prendre des objets, des biens donc, qui appartiennent à des personnes ordonnées. Ça peut être également au sein d'un monastère, entre des personnes ordonnées elles-mêmes, certaines qui prononceraient des paroles diffamatoires à l'encontre de l'un d'entre eux. Par exemple, un moine dont l'éthique serait très bonne, le comportement serait excellent, etc., qui se verrait couvert d'opprobre par certains donc, de ces, par d'autres moines. Ceci pourrait arriver en arriver aux oreilles de l'abbé, par exemple, qui pourrait finir par croire en fait ces paroles et amener à exclure en fait ce moine, par exemple, du monastère, le contraindre finalement à rendre ses vœux, etc. Et ça, par excellence, donc, cela revient à ce type de transgression. Ensuite, la huitième transgression consiste en le fait de commettre l'un ou l'autre donc des cinq actes à effet immédiat ou à rétribution immédiate. Ces actes consistant en le fait de tuer son père ou de tuer sa mère ou tuer un arhat, donc un destructeur de l'ennemi, à faire volontairement couler le sang d'un Bouddha et à créer un schisme au sein de la communauté religieuse, au sein du Sangha. Donc ça, c'est quand on regarde... Ce sont des actes moins fréquents, en tout cas, dont on a moins de risques, néanmoins, que les précédentes transgressions. Ça reste des choses possibles, malheureusement, néanmoins. La neuvième transgression donc, consiste en le fait d'entretenir des vues fausses, c'est-à-dire par exemple à nier le principe de cause à effet, ce principe de causalité, à nier encore ces objets d'infuge que sont les trois joyaux, par exemple. Ça peut être les quatre vérités, ça peut être différent de ces aspects. La différence ici, lorsque l'on parle de cette transgression, c'est que le simple fait d'entretenir ces vues fausses consiste en une transgression complète. Il n'y a pas besoin ici que soient réunis les quatre liens étroits comme dans les autres transgressions, en fait. Mm-hmm.
mec si tu vois dans des choses non dans ce genre basse là des La dixième transgression consiste à détruire des villes, des villages, par exemple, en déclenchant un incendie volontairement, par exemple. Ça peut être un exemple, il peut y avoir d'autres cas de figure. Tenez, ma jantoni dense. Ma jantoni dense là, dit, là. Transgression, ma jantoni dense, ma jambala, l'eau ma jambala, toni dense là, dit, ah, toni là, t'as. Lo ma jangba sila ni da ma len da jidan tewa diri sirwa ta tongyin la yi jidan tewa mingi giri da. Tani tongyin ten su na kabri cheta longya ki nyanga yungi giri dinde yungo aris. Dinde yungi dinzu la ani tongyin ten juwa ma aris. Tongyin ha koshindu. Ha ma kona ya tongyin ten chogu rwa. Ha koshindu tongyin ten chogu ma aris sirwa. La onzième transgression consiste quant à elle à exposer la vacuité à des êtres qui ne sont pas préparés pour cela. Bien évidemment, des êtres qui en ont entendu parler, qui en ont une certaine compréhension, il n'y a aucun problème à leur exposer davantage. Des êtres qui ont une certaine confiance, en fait, en tout cas une certaine réceptivité, on peut dire ici, ou ouverture quant à la vacuité, donc il n'y a pas non plus de problème pour la leur exposer. Ce cas de figure s'adresse à des êtres dont une certaine compréhension de la vacuité pourrait les plonger en fait dans le nihilisme. Donc tels sont les êtres dont l'esprit n'est pas préparé finalement pour encore recevoir des enseignements sur la vacuité. Ça pourrait présenter donc ce danger finalement de cet extrême en fait du nihilisme. Ma jang toni den da zojang dos. Ta zojang dos la go re sro. Zojang dos la di ani de res ka zo re. O ta zobe chang ju tobe ala de ba chin ani ta zuen ni de ding ye khang sa de la. A ta san ji sa go bang top sia di ka le ka gu shi ra des. Ro wa de le da jo ra nin de da jin be de bu de to gi na ani top le la de jo gu to gi de sa de de ne ke ji de ne shi ni. Di jin an ko La douzième transgression consiste en le fait de détourner quelqu'un de l'éveil complet. Ici, c'est ce qui pourrait se passer lorsque, par exemple, on pourrait dissuader un être qui empruntait donc ce chemin du grand véhicule en lui disant, mais bon, pour parvenir à la bouddhéité, ça demande tellement d'efforts, c'est tellement loin, tu serais beaucoup plus vite parvenu à tes fins si tu suivais en fait simplement la voix des auditeurs ou des réalisateurs solitaires, donc et devenais un destructeur d'elle. L'ennemi, simplement un arhat, ça te suffira amplement et tu y parviendrais beaucoup plus vite, par exemple. Par exemple, en disant que d'ici le terme de cette vie ou éventuellement la vie prochaine, tout au plus, tu parviendrais au terme de ton cheminement et que tu en aurais beaucoup plus vite fini. Donc, d'amener ainsi quelqu'un, enfin de dissuader ainsi quelqu'un donc de parvenir à la bouddhéité. Ta karla gore la na ni diris kasore o ta sodaji domba lenje dengen kansa den dela ta chora sodaji domba len kharchi gore de cho sie ma ris di dile chora chenju sem gi domba lengi na chenju sem gi domba dang ag domba lengi na di ag des chora sodaji domba pa sha sho se kale kharo des den des la ve den de yong chog des ro chenju sem domba da ani nyeba tham jo khe gi des ngaa dhomba ina tseji lu ji la sanji giri siya dhava dhinda labche rwa dhinda che su na ani da kuki dhala dheni sotaji dhomba tong lu su na ani dhiris dhati yungo dhiris. La treizième transgression consiste à amener quelqu'un à abandonner en fait ses vœux de libération individuelle. Donc une personne, comme on l'a vu, peut être laïque ou ordonnée, peu importe, avec des vœux de libération individuelle. Et on peut arriver cette transgression consiste plutôt à dissuader cette personne donc de préserver ses vœux, lui montrant en fait que ses vœux sont tout à fait secondaires comparativement aux vœux de Bodhisattva, aux vœux tantriques, qui sont bien plus importants, et que il n'y a pas finalement lieu de faire tellement cas de ses vœux de libération individuelle, ce n'est pas si important que cela, que par contre elle aurait beaucoup mieux à faire de se préoccuper de ses vœux de Bodhisattva et de ses différents types donc de transgressions, de se préoccuper des vœux tantriques, puisque par exemple il est dit que la pratique du tantra permet l'obtention de la bouddhéité en l'espace d'une seule vie, donc lui montrer par là même donc le caractère très supérieur donc des autres vœux, et donc si insignifiant, donc le caractère si insignifiant des vœux de libération individuelle qu'elle peut se permettre en fait de passer outre.
nyende me wa nyende la ta jinje chaba ta nyende ki anta nyindi pang tu mar se ada bo da ta nyende lam gom ni choyo mar se ada bo da den de la de na nya ran la me wa so wa nyende ji bo mar ran je ni ja la do wa so wa gyumzen kontra nyindi pang tu mar de la jinje ji bo ta tu mar se ada bo den de ta de nam ji ji la yo ra nyende ji de ne la to ni de yo mar wa wa da de de shi ki to ne ndo so na. La quatorzième transgression revient en fait à dénigrer, ici à rabaisser en d'autres termes, les auditeurs et les réalisateurs solitaires, c'est-à-dire les deux voies en fait du Hinayana, du petit véhicule, arguant que ces véhicules, donc ces chemins, en fait, ces parcours, ne permettent pas l'abandon, donc dévoilent des perturbations, et donc ne permettent pas par là même de parvenir à l'état d'arhat, de destructeur de l'ennemi, étant entendu que là on se situe donc sous l'angle d'écoles philosophiques dont les vues sont plus affinées, qui considèrent effectivement que de tels pratiquants n'ont pas réalisé ce qu'on entend par la vacuité, en tout cas l'acception complète en fait de la vacuité, et que tant que cela n'est pas fait, ils ne peuvent pas se débarrasser des voiles des perturbations. Fort en tout cas de cette compréhension-là, en arriver à dénigrer, à mépriser donc de tels pratiquants. Ensuite, la quinzième transgression consiste à proférer donc des mensonges conséquents. En l'occurrence, ici, on dit profond, conséquent. C'est-à-dire, par exemple, alors que tel n'est pas le cas, d'insinuer, en fait, ou de dire ouvertement que l'on a réalisé la vacuité, ou encore que l'on a des visions directes de telle et telle déité, par exemple. Ça fait partie de ce type de mensonges, ici. Mon étonné vêtita, qui vous chouette, j'ai l'air de la vie. T'es la digane, ton y toyo dans le chivor was. T'es la tenue mission d'ailleurs, ah, quoi ton y toyo, ça le tingir was. N'yangayor was. On chasse un daddy. On chasse un dindicinita, dindicelasana, n'yangayor is. Le mensonge peut être fait de façon très habile, n'a pas besoin d'être évident, on n'a pas obligé de dire j'ai réalisé la vacuité. Ça peut être fait d'une façon indirecte, en disant ah vous savez, quand on a réalisé la vacuité, on est dans une béatitude incroyable, on se sent extrêmement heureux. Effectivement, pour dire les choses sous cet angle-là, laisse penser à l'autre personne que peut-être effectivement soi-même avant réalisé la vacuité. Donc c'est ce type en fait de tournure en fait, ou ce type de d'insinuation en fait qui relève là encore à part entière donc de ce type de mensonge. Ah, chosum kolen. Chosum kolen c'est à dire, ani ta, jabola sobo chim jabje, chim jabu chim je ne ani gindugi, ani de ta juno longe su chim su len shawadi, ani ngazu ta chanju sim damba yenge jela treva ina. Diso zogi hakoshin do gindugi. La seizième transgression consiste en fait à détourner ce qui appartient ou ce qui est en possession en fait des trois joyaux. C'est pas le voler comme la cinquième transgression, c'est pas le dérober, c'est le détourner en fait. Et cela peut être fait par exemple même de façon, on pourrait dire presque légale, c'est-à-dire ça peut être légiféré. On peut imaginer
imaginer très bien un dignitaire, donc un fonctionnaire, en l'occurrence chez nous, mais on disait un roi ou autre, enfin une autre personnalité, peut très bien avoir édicté donc un édit ou une loi, maintenant un décret ou peu importe, qui prend en fait, ponctionne ou de l'argent ou des biens donc appartenant par exemple au Sangha pour les réutiliser donc à une autre fin. Et si soi-même donc on sait que cet argent a été ainsi donc détourné donc du Sangha et qu'on accepte par exemple parce qu'on devient un nouveau bénéficiaire de cet argent ou autre, enfin, c'est bien, et si on accepte ces biens, cela revient à commettre donc cette transgression. Pour faire même plus court, par exemple, on pourrait imaginer donc il y ait de l'argent dans les statues, comme on peut voir ça en Inde ou au Tibet, et quelqu'un donc qui rentre dans la pièce pique pas mal d'argent ici, enfin collecte un petit peu l'argent qu'il pourrait trouver ici et là, et puis vient nous trouver en disant tiens, je t'invite à manger au restaurant. Si tant est que soi-même on sait d'où vient cet argent, à ce moment-là on commet, la personne elle-même a commis la cinquième transgression puisqu'elle a volé l'argent par appartement aux trois joyaux, mais nous on détourne en fait quelque part, on est complice finalement de ce vol si on sait que cet argent provient de là, enfin si on accepte donc pardon cette invitation sachant que l'argent vient de là. La 17e transgression consiste à édicter des règles à édicter des règles nuisibles. Si on comprend en fait le sens de cette transgression, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire édicter toute règle, toute loi, tout décret qui favoriserait la survenue des perturbations et accroîtrait en fait ces perturbations. Par exemple, ça pourrait être, et donc c'est là où il faut être attentif si on est en position justement soi-même donc d'édicter certaines règles ou un règlement intérieur dans un contexte ou des règles ou des décrets, etc. Parce que cela a une incidence bien sûr sur les autres d'une façon générale. Et ça pourrait être par exemple le fait d'autoriser de la chasse, par exemple, de chasser telle espèce animale, par exemple, dans tel contexte, sur tel territoire, par exemple. Ça pourrait être au niveau d'une communauté de favoriser tel ou tel groupe, en fait, au sein de la communauté, en édictant certaines règles, sachant que l'ennui, on crée du tort aux autres, par exemple. Mmh, I think I'm doing chimbu double than that. That's on the day of the Then you mangled the Duchi Digan, you do that, the Del Mandona, Jim Gorwa. Dear Wakarza. Tangan Luji Gorwa, the Simjin Sayadi. We do chivalis, we do chin and shorter as a lady. What you said? Les vôtres. Ou au choc louillé. Allez, là. Viens. Là. On dit. Des louis, 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 c'est la gueule, là. C'est bien dit.
simje se da ma se se de lo ha din de dabu din de na din de gen dan la so se na me tan yu sha da din de chang na din ma chum ba ba. Ou ça peut être effectivement, j'ai entendu donc qu'il semblerait qu'il y ait eu des référendums ou en tout cas des avis en fait qui ont été demandés par sondage ou autre. Mais là de même, on rentrerait dans le cadre de cette transgression si par exemple, tout simplement si on avait un référendum demandant si on autorisait tel territoire par exemple de chasse ou d'autoriser de chasser sur tel ou tel territoire, si l'on ne se rendait pas par exemple référendum tout simplement parce que parce qu'on n'avait pas envie de, enfin de, par fainéantise concrètement, par flemme, oui, ou par indifférence quelque part, ça s'apparenterait en fait à cette transgression, ça n'en serait pas pour autant. T'as des wushok la malouna, t'as la joki maroa, chimien kanatisu. Je suis là, c'est ça, malou, t'as maré. Ah, Karjine, j'ai eu chose, c'est un déjà, c'est un. En fait, ce serait cautionné, donc ça s'apparenterait à cette transgression. On n'édicterait pas à proprement parler ici un règlement nuisible ou néfaste, mais finalement, on le cautionnerait indirectement par notre attitude indifférente. Et la dernière transgression donc consiste à abandonner, en fait, à se détourner, à laisser tomber, littéralement, dit-on, l'esprit d'éveil, à se départir, en d'autres termes, de l'esprit d'éveil. Et c'est également la transgression, donc avec la neuvième, c'est-à-dire la neuvième et la dix-huitième, sont les deux transgressions qui sont d'emblée complètes, qui n'ont pas besoin, en fait, de la présence des quatre liens étroits, donc pour être complètes. Dès l'instant où l'on pense, mais j'arriverai jamais à développer l'esprit d'éveil, où je n'arriverai jamais à pouvoir agir, donc à pouvoir aider, enfin, venir à l'aide à tous les êtres, ou œuvrer pour tous les êtres, mieux vaut que je m'arrête là et que je ne vise simplement que mon bénéfice personnel, mon intérêt personnel. Penser cela suffit en fait à commettre cette transgression complète. Ce risque est loin d'être négligeable en ce sens que pour l'heure en fait nous sommes notre esprit est plein de ces perturbations que sont l'orgueil, l'attachement, la colère et autres. Et lorsque notre esprit, comme celui de nombre d'êtres, donc lorsque nous agissons favorablement, donc à l'égard de quelqu'un, il n'est pas rare que cette personne puisse être désagréable en retour ou de différentes façons finalement, ou se montrer ingrate ou de différentes façons. Et que l'on en vient à trouver finalement extrêmement difficile d'œuvrer pour le bien des êtres, d'arriver à se décourager en se disant mais je n'y parviendrai jamais, j'ai beau me couper en quatre, comme on dit, les autres sont toujours ou mécontents ou en colère ou etc. contre moi, et finalement se laisser aller à ce découragement et se détourner donc de l'éveil, en l'occurrence se départir donc de l'esprit d'éveil. Pour revenir ensuite à la strophe 27, donc Atisha nous dit qu'à partir de cet instant, outre donc dans cette veine, pourrait-on dire, il convient de nous abstenir en fait de malveillance et colère, avarice et jalousie. À partir de cet instant, et jusqu'à ce que j'obtienne l'éveil, donc je ne céderai point en fait, je ne me laisserai point aller à ces perturbations-là.
Il poursuit en disant, j'observerai la chasteté, je rejetterai faute et désir, observant avec joie les vœux d'éthique, je m'exercerai donc à la suite du Bouddha, donc à l'instar finalement des Bouddhas. Ces deux strophes, donc la 27e et 28e strophe, correspondent en fait à l'éthique de l'abstention des activités nuisibles ou néfastes. Il y a trois types d'éthique, ça c'est la première. L'éthique de l'abstention, s'abstenir, ça consiste justement à se garder de s'engager dans telle ou telle action. Comme on disait tout à l'heure, préserver notre esprit justement de tomber sous le coup en fait de telle ou telle, en l'occurrence ici, perturbation. Et donc il s'agit autant finalement de se garder, de s'abstenir, donc de commettre des actions non vertueuses, préjudiciables ou des méfaits, que de garder notre esprit, donc d'éprouver ces perturbations telles que la malveillance, la colère, l'avarice, la jalousie, etc. Et l'engagement ici donc est un engagement qui porte loin, puisqu'en fait c'est de cette instance jusqu'à ce que je parvienne à l'éveil, donc jusqu'à cet instant-là, je m'engage en fait à être particulièrement vigilant et m'abstenir donc de laisser mon esprit sous l'emprise donc de ces perturbations. Et donc lorsque cela est possible, donc observer l'abstinence, donc la chasteté, lorsque sinon dans le, au minimum s'abstenir donc de s'engager dans l'une ou l'autre donc des 10 actions non vertueuses. Cette observance, en fait, je ne la ferai pas de façon contrainte, mais finalement, c'est avec joie, donc en éprouvant de la joie, que je m'y attacherai ou que je m'y emploierai. Faisant cela, donc, j'emprunterai finalement les pas, les traces des Bouddhas. La strophe suivante énonce en fait le deuxième aspect de l'éthique, un deuxième aspect de l'éthique qui est celui de l'accomplissement du bien d'autrui. Cette strophe nous dit « Je ne me soucierai pas d'atteindre au plus vite l'éveil, et fût-ce pour un seul être, je resterai jusqu'à la fin du samsara. » C'est-à-dire, je ne serai en aucun cas à la recherche de mon intérêt personnel en premier lieu, finalement, mais je resterai aussi longtemps que nécessaire donc pour aider les êtres, et je resterai jusqu'au dernier être, en fait, finalement, à libérer. Lorsque l'on aide ainsi, donc que l'on soutient, que l'on assiste d'une manière ou d'une autre à des malades, des personnes âgées, des personnes en difficulté, quelles qu'elles soient, si ce soutien, en fait, nous l'apportons fort de l'esprit d'éveil, donc mu par cet esprit d'éveil, alors à ce moment-là, on accomplit ce type d'éthique, donc de l'accomplissement du bien d'autrui. Et
tanjida tinji sembe phen yong kora do lagi na ro ta tanda dela ani kare samji mi chabe sing number jang wa jin da so zo samna dang je sanji gi sing jang ya samna dang sem jang je ro den de sam dang ya ge je des den de jang ani so zo gi ani o monam jan da so zo gi lu da ani lu gi ani sim jin ta ya ba la ni ro ba ja gi samna dang ya ro da ani den de jin sem jang je da jang ji do je ma hong ba la ani so zo zhu ba 叫他查查注意呢，你甚至断气啊，都内容高的，等等这些甚至讲就主要的那个高的，是吧？我们都甚至讲就讲的那个那边的那些，是吧？嗯，甚至他们这个断气啊，断到哪里？嘛，给甚至他们这三不当的都是讲啊，都是内容高的，甚至断气的，是吧？les vers suivants, évoquent en fait le dernier type d'éthique, l'éthique de la réunion des actions vertueuses, étant entendu que dès lors que notre esprit est animé de l'esprit d'éveil, toute éthique finalement consiste en cette éthique de la réunion des actions vertueuses. Donc dès lors qu'une pratique d'éthique est influencée donc, par bodhicitta, ça relève de ce type, de cette catégorie-là. Ici en fait il s'agit finalement de visualiser ce qui sera en fait le quotidien ensuite d'un bodhisattva en mesure de réaliser cela, savoir de visualiser des chants de Bouddha, donc emplis de Bouddha, et de se tourner vers eux donc pour d'imaginer donc conjointement l'ensemble des êtres donc autour de soi et d'imaginer autant de manifestations donc de soi-même finalement qu'il y a d'êtres et de faire des prières donc pour pouvoir venir en aide donc à chacun de ces êtres, donc imaginez autant de manifestations de soi qu'il y a d'êtres pour pouvoir leur venir en aide et imaginer ainsi donc les protéger, imaginer les aider, les soutenir de différentes façons, ce qui préfigure en quelque sorte nos futures actions donc de bodhisattva. À ce propos, donc Atisha nous dit, je peux t'aimer samkhya, dit une idée djula, dakilu, t'aimer samji mi jabe namajan sta, dakilu, dakilu la yadi, kodon, samla, dakilu c'est de voir le chai, non, dikeva non, jidan da rangi ming, roi, tanda de ming songa samji, ming toba samji, ni samji samji de voir le gurua, kejare, roi. Sanji Melagi, Sendom Tubing, and Dunga Selsejua. The Dig Monam Jawaris, Rua, Nigi Ming Tosona, and Nigi Lu Rexona, Reva than Jelanda, Sinjanji de Wadrea, that the one must have done donated to the Rua, and Tesla Sanjerua, the Dididoris. Et donc ce texte nous dit ici, je purifierai totalement les mondes incommensurablement mensurables et inconcevables. Je protégerai les êtres déjà au travers donc de mon nom et je demeurerai dans les 10 directions. Ça c'est la manière de bénir en quelque sorte de bénir en quelque sorte son nom. C'est quelque chose par exemple qu'on retrouve dans la pratique du Bouddha de médecine où on dit que la seule évocation en fait du nom de tel ou tel Bouddha donc permet à l'instar des souhaits des prières en fait qu'il a formulées, la seule évocation de son nom donc permet de préserver donc les êtres de telle et telle difficulté, de telle et telle maladie. Donc c'est ici ce type finalement de prière donc que l'on formule donc dans le cadre de cette visualisation. Par exemple. Ensuite, Atisha nous dit mes karmas physiques et oraux, donc les trois types d'actions, notamment physiques et les quatre actions verbales, orales, toutes celles-là, je les purifierai entièrement. Il fait référence donc aux actions non vertueuses ici. Toutes ces actions-là, donc physiques et verbales, je les purifierai entièrement. De même, rendrai-je pur mes karmas mentaux, donc les différents types de pensées, donc éliminant notamment les trois correspond aux trois actions non vertueuses donc mentales et je ne commettrai plus de karma non vertueux. On dirait. Tendez, il y a des temps à rendre ça, tu vois, mais que tu dis,
ninge par de zengu re sin ro zengi yin sin sawa nyin ne chigme sin ta tamje chigu re so ro de sans d'autres termes un engagement pour ne pas commettre donc se mettre à l'abri se préserver donc de l'une ou l'autre des 10 actions non vertueuses ta de ne ta la ba tu dun je la ba la ba tengi dun je la ba shira je la ba sin la gu gu ro ba ro ta de yin de gan ta de ne ma ta la ba tu dun je la ba ta dom ba dom gu re sin ta ma de la je tin le ngo re so ro Ensuite, l'engagement qui découle finalement également donc de ces vœux consiste à s'entraîner donc aux trois types d'instructions supérieures. L'instruction supérieure de l'éthique, celle de la concentration et celle de la sagesse. Donc c'est ce qui sont les strophes suivantes. Ni dombe dombas laite dombas laite tambo jugdom le yaje dombas nibadi ni kada jugdom chanju semge dombal le yaje domba nibadi dire kasure an jinso phajin rola laba la labki ins la an domba thani bebar chebe zo chang zobe chanju soni yongsu zobar juru se dinde gi an beba chini labche yabu chun rugi na an zobe chanju ju an zobar Tu peux dire, Ani yakujin rugi na ta tanda di domba se adi domba ni doa tela dombe domba ta ni sa adi doa domba thangbo di ani choka ki domba len adi ije domba lenba la teni domba ni ba domba dom sa adi dom ta ni dom sa adi ani jugdom jugdom lan je labja la jugba thangbo di choka tanda di jugdom mare jugdom mare laba la jugba Labja la juba. Labja nyam nyan cheba, jinso pachin to nyam nyan cheya la tomba as, ondi la gore es. La première instruction supérieure, donc celle de l'éthique, est ainsi exposée. Si tout en cultivant les vœux de l'esprit d'éveil engagement, source de la pureté du corps, de la parole et de l'esprit, on s'applique bien aux trois observances de l'éthique, le respect envers les trois entraînements ira grandissant. Lorsqu'on fait référence ici aux trois observances de l'éthique, c'est ce que l'on vient de voir tout à l'heure, l'éthique de l'abstention donc des actions non vertueuses, l'éthique de la réunion des actions Qu'est-ce que j'ai dit ? L'éthique de l'abstention des actions non vertueuses, l'éthique de la réunion des de l'accumulation des actions vertueuses et l'éthique qui vise à être bénéfique à autrui, de l'accomplissement du bien d'autrui. Ça, ce sont les trois niveaux en fait d'éthique. Si donc en cultivant, donc en honorant, en préservant en fait ces vœux de bodhisattva, en d'autres termes ici, on s'applique donc à ces trois formes d'éthique, alors naturellement la conviction que l'on aura dans les trois entraînements supérieurs ira croître. On dit ici le respect, non notamment, mais c'est de l'ordre donc de cette confiance finalement, de cette conviction de la force, de la puissance de ces entraînements supérieurs ou de ces instructions supérieures, ceci ira croissant. Et il est dit ensuite, ainsi, grâce à l'observance assidue des vœux pris par les bodhisattvas qui aspirent à l'éveil pur et parfait, les accumulations qui suscitent l'éveil parfait finissent par être pleinement réunies. Ici, donc, il est dit les vœux pris par les bodhisattvas, donc c'est les vœux de bodhisattvas pris lors du rituel à proprement parler. Et quand il est fait référence à l'observance assidue, donc ici, l'observance, c'est la mise en œuvre, finalement, la mise en pratique ces vœux, en d'autres termes, des préceptes, finalement, des bodhisattvas, qui consistent en mise en application donc, des perfections, la pratique, en fait, des six perfections. Donc, grâce à la pratique des six
quasi-perfection finalement qui découle naturellement du fait d'avoir dans le contexte d'un rituel pris des vœux de Bodhisattva. Grâce à cela, les deux accumulations, donc de mérite et de sagesse, sont complètement et rapidement donc réunies, permettant donc l'accomplissement donc de l'éveil. Le fait de parvenir donc à l'éveil parfaitement accompli. Ah, dende indi gane da lava tsuri ni lava lava tengi tsuri ni lava lava shira ni lava sum la guguare sirwa. Ah, de malam na dia yo mares. Ta tsuri mi chibo sum ni digi mares ni tsun yunguare sirwa. De indi gane ta tengi tsuri ni lava lava gu jimzen kare re lam na. An chanju sim ji domba len je an chanju sim gom je de ne sim jin shen tuen chigi ni sirwa ne chanju sim ju la kia ba yin ne ya sim jin shen gu tuen chia la. Ces trois entraînements en fait supérieurs, ces trois instructions supérieures sont indispensables. On ne peut pas s'en tenir simplement à l'éthique. Pourquoi cela? Le second, notamment celui de la concentration, est un exercice donc indispensable auquel on doit se plier. Pourquoi? Parce que engendrer l'esprit d'éveil, ça veut dire viser à être bénéfique à autrui. Or, il est impossible d'être bénéfique à autrui si on ne dispose pas de capacité de clairvoyance. Et cette clairvoyance, sous ces différents aspects, en tout cas revêtus par la clairvoyance, sont justement le fruit, résulte en fait de la pratique de la concentration. Ya shukchimbu topchimbu ya gegu gores majena digmares shobani yene shobani majena namlo pirmi to banaji de yungres ta de tsig de leyong ba sonami shi rangshin ji sonni yongsu zo ba yi jun ni sanje tamje ji ngwen shi je wa ni du she sarwa sanje gi sonam da ishi gi so ni ni ya zo ba ya je ya gi ju da bu de khare re sa na ngwen shi ra re ngwen shi du bu re sen de sung ba de sarwa ding wo shi sonam da shi cho ni ya ma je ba yin na ni chu cha sho ba ya ma je na nang le phir mi to ba na shi ni sonam da shi cho ni ya ma je na san ji ko ba to to ma le shi de wo ge shi ji do on de 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 wa de so wa. Il est indispensable, donc, comme on l'a dit, donc l'observance donc de l'éthique et en tout cas l'entraînement supérieur donc de l'éthique permet le développement donc des deux l'accroissement en fait des deux accumulations donc de mérite et de sagesse, mais il est indispensable donc de les renforcer, de les étayer, ces accumulations, et c'est ce que le propos de la strophe suivante qui nous dit que ces deux accumulations donc qui sont de la nature des mérites et de la sagesse supérieure, ont pour cause de parachèvement ce que les Bouddhas ont dit, l'obtention des clairvoyances. C'est-à-dire que c'est l'entraînement supérieur de la concentration qui permet donc le développement des clairvoyances et des différentes clairvoyances et qui donc renforce par là même les deux accumulations. Et Atisha poursuit en disant de même que sans déployer ses ailes, un oiseau ne peut voler dans le ciel, sans la force des clairvoyances, donc qui permettent en d'autres termes, l'agrandissement, enfin la croissance en fait de ces deux ailes, on n'a pas le pouvoir donc d'accomplir le bien des êtres. Et pour montrer la place en fait de ces clairvoyances, Atisha nous dit que les mérites acquis en un jour et en une nuit avec l'aide des clairvoyances, donc sous-entendu les mérites qui ont été accumulés par le fait d'œuvrer au bien d'autrui alors que l'on dispose justement donc de ces clairvoyances, de tels mérites sans ces facultés on ne pourrait même les obtenir en l'espace de 100 vies, en l'espace de 100 existences. Tenez. Ta jewa ja yo mari sarwa da den de yin da da nyur du ani ta sim jin shen gi ten che zo be san ji ko ban to gu yo na
nyur du simjingi tön chego re simjingi tön chego yo inda an dela an da ani khazobe chenju thoba deba degi ani nyur du ngishi thoba lan beba chego re wa. Et de poursuivre que celui qui désormais peut parachever au plus vite les accumulations générant l'éveil parfait réalisera les clairvoyances s'il s'y emploie avec énergie, mais n'y réussira pas s'il s'abandonne à la paresse. Et effectivement, ce qui lui permettra donc d'engendrer, de faire se développer ces différentes clairvoyances et le désir qu'il a de venir en œuvre à autrui, et c'est ça qui l'amènera en fait à pouvoir, qui lui donnera en fait qui lui permettra de faire les efforts nécessaires pour ce faire. Bezinche, Zunduche, Hani, Mushi Dugure Mado, Hani, Le Lugi, Dutu Mari, c'est le Lumin, c'est son mari, ça va. Ces clairvoyances donc découlent, on procède justement des efforts de la persévérance enthousiaste, mais ne peuvent d'aucune façon être engendrées, donc si on se laisse aller à la paresse. Tad, Mushi de la da, Kazure, Chidan, Mushi de la Wa Malaga. だ新鮮しゃべんごしさで。あ、そう。そそくんだって。そそぎ。だ。てんちねペンドヨンサギスミジカワイメハコね。デラアニパ。ジュネピニン、ドバテンロトウです。ジュリテン。ロトウです。ジュリジンごし。わ。だ新鮮しゃべんごしごです。新鮮しゃべんごしめな。だ単純のでね、どにとまだでも無常さんすわ。どにてるんだまるんがで信じまるわす。わ、でんじん。 Parmi le terme ici utilisé donc est celui de clairvoyance. C'est vrai qu'il peut nous induire en erreur. Pour nous, la clairvoyance, c'est une chose en particulier. On pourrait peut-être parler plus largement finalement de pouvoir surnaturel, de capacité finalement surnaturelle, de faculté supranormale, peu importe, qui consiste en il y a plusieurs aspects. Certaines donnent la possibilité à un être d'avoir conscience des besoins, donc là où il se trouve, et de pouvoir se rendre en fait en lieu et place donc de ces êtres qui ont tel et tel besoin donné pour pouvoir les soulager ou les soutenir. Une autre faculté, en tout cas supranormale, consiste en le fait de connaître l'esprit d'autrui, donc de savoir lire en quelque sorte les pensées d'autrui. Tout à l'heure, regardez, on a dit par exemple on pouvait commettre cette transgression si l'on exposait la vacuité à des êtres dont l'esprit n'était pas prêt pour ce faire. Donc là, en l'occurrence, c'est extrêmement aidant de connaître finalement les pensées ou le degré de maturité finalement de l'esprit d'un être. C'est également aidant en ce sens que l'on va pouvoir adapter l'aide aux besoins donc, et aux capacités, on dit littéralement aux aptitudes, aux prédispositions, aux tempéraments en fait, d'un être donné, et auquel cas la réponse sera la mieux adaptée. L'ouïe divine est une autre des facultés supranormales qui permet en fait, outre le fait d'entendre donc d'une distance extrêmement éloignée des sons, elle permet également d'accéder aux différents langages en fait, de comprendre en fait différentes langues, différents langages même. Tenez, là, il m'y a une chaise.
다 라이 미기응원시 사야되기 아니 제와 쳔마 가리가리 용구요메 대신 뒤에서 어디 어 하고 그랬으니 뒤에서 와래서 라이 응모시 라이 미기응원시 라이 미기응원시 응 니가 두기요 라이 미기응원시 근데 특히 원무마 키워지마 어 말해 응원진의 지수 때문에 응원시 알리로스 응원진의 지수 때문에 응원시 제와 엄마 되냐 라이 미기응원시 제와 쳔마 편지 아니 가리가리 용무인데 되냐 Il y a parmi ces facultés une capacité donc de voir ses existences antérieures et de voir donc en quel lieu est placé son après renaissance donc auprès de quels êtres etc donc antérieurement à quoi pouvaient ressembler donc des existences nos existences antérieures. Il y a cette autre capacité, donc, ou faculté supranormale, qui consiste en la vision divine, qui, elle, permet donc de voir ses existences ultérieures, donc ses vies à venir. Ça, ça va, c'est bien, moi, je sais. Ça va, c'est bien, moi, je sais, dit, ta, pando, pangja, ta, to, ta, de, ah, kasur, tokba, ta, un, dinde, kande, kande, yime. Notre faculté donc est celle de une faculté qui nous permet de remédier à nos perturbations parce qu'elle nous donne accès finalement elle nous permet de voir exactement ce qu'il nous faut abandonner littéralement donc les aspects dont il nous faut qu'il nous faut éliminer les aspects de notre esprit qu'il nous faut éliminer et comment nous y prendre et les aspects au contraire qui sont à réaliser qui sont à développer. On voit donc la nécessité de mettre en place ces différentes facultés supranormales donc pour être mis en mesure donc de répondre aux besoins et aux besoins des êtres. Ces facultés supranormales donc sont développées en dépendance en fait du calme mental. Le calme mental ne peut être développé que grâce à l'effort en fait, grâce à l'enthousiasme persévérant et d'aucune façon donc en présence de paresse. Enfin, ne peut être développé si la paresse est prédominante. ジネドバマインバ、もし今日はみ、あ、かだ今日はみじゅらさ。てじりしねドベしりやんだやんどべばちゃ。てね、しねドベやでやんにしねやらにゃんべぎ、ね、ラドベばごんじゃちゃ。てね、ロネトンだたげちゃ。てんげでに、あ、ルミじゅるすんどわ、ルトグマレス。てすんばれ、それは。てんでいんだ、にしねドグぐれ。わしねまどのもしととぐまれ。 Et c'est ce qu'Atisha nous dit ici, on est la strophe 38 de notre texte, il nous dit « Or, tant que le calme mental n'a pas été obtenu, les clairvoyances, donc ces facultés supranormales, ne peuvent apparaître. Partant, afin de réaliser le calme mental, déployez votre énergie toujours et encore. » Et il nous dit « Si les facteurs du calme mental se dégradent, même si on médite avec la plus grande énergie, et ce même des milliers d'années durant, on pourra réaliser la concentration, en l'occurrence le calme mental lui-même auquel que l'on vise. Donc, comme on vient de le dire, donc les facultés supranormales découlent, en fait, sont sous-tendues finalement par le calme mental qui les permet. Le calme mental n'est obtenu que lorsque l'effort, en fait, la persévérance enthousiaste est suffisante. Et si tant est que les conditions en fait, de survenue du calme mental, donc les conditions propices au développement du calme mental, soient absentes ou viennent à disparaître, alors à ce moment-là, tous les efforts du monde ne pourraient pas nous permettre donc, de le développer. ディナーに損者がいやらてらね、レゴネバチネ。ディナーに損者がいやらてらね、そつ、そつ、やらてはこわち。ディアネ、デラレゴネバチネ。ミバ、カヤロマジラタン、アネミバチネ。アネイギャワスネタ、イタガボチネタ、ミバテラジュバジュゴーレス。ミバテラシャゴーレス。デシャギーナ、テラテナネネンジュー。
바얀 랑견 신의 두두고레 신의 두스나 응시 두두고레 센데 소는 거레스 다선 제일 제바 제일 신의 로데스 Aussi, donc, et on s'arrêtera là pour ce soir, on reprendra finalement à partir de là. Aussi, demeurer dans les conditions exposées dans le chapitre des accumulations, donc nécessaires à la concentration, et donc réunissez en d'autres termes tous les facteurs donc, de développement qui concourent au développement du calme mental, et ensuite, avec quelconque objet, donc quel que soit l'objet d'observation sur lequel vous serez arrêté, instaurez en vous un état d'esprit vertueux, c'est-à-dire placez-vous alors dans les conditions pour engendrer ce calme mental. Et on s'arrêtera avec cette dernière strophe, que le yoga du calme mental soit réalisé et les facultés supranormales sont à leur tour obtenues. Donc, on s'arrêtera là. Voilà. Parce qu'ensuite, on bascule sur la sagesse. Donc. Donc quand on parle des conditions qui sont exposées dans ce chapitre des accumulations, encore des facteurs du calme mental, donc tout cela se renvoie à la même chose ici, ce sont en fait quand on évoque la manière de développer le calme mental, ce que l'on appelle les cinq écueils ou les cinq facteurs qui font obstacle en fait au développement de ce calme mental. On envisagera quels sont ces cinq écueils. Et on verra également quelles sont les huit manières d'y remédier. Donc, ce sont tous ces aspects sur lesquels on recommence, sur lesquels on reviendra la prochaine fois. Pour se donner donc les meilleures conditions possibles pour le développer, et c'est ce que peut-être je vous invite à faire dans l'intervalle. Là, on s'arrête là. On va terminer avec les dédicaces. À la fin, super. On est page 90 pour la courte offrande du mandala, les prières de dédicaces et les prières de l'envie. Amen.
Gardez, si vous pouvez, à l'esprit ce que vous avez entendu entre hier et aujourd'hui. Essayez de garder cela à l'esprit, de l'appliquer à votre esprit. C'est très important. D'accord. Gardez l'esprit à l'esprit. D'accord. Merci.